non, surtout pour une nouvelle dinosaure. Moi, oh, j'ai dit dinosaure. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on découvre les trésors Dino Gold. C'est pour ça que j'ai dit on se retrouve pour un nouveau dino. Bon, pas grave. On s'en fiche. Une nouvelle dinosaure vidéo. Il y avait une ouverture facile. Hein. Ah ouais, je sais, je l'ai fait. Okay. C'est pas grave. L'ouverture facile, c'est pas forcément la plus facile. C'est comme le passé simple, c'est pas simple. Ah, c'est plus dur que je croyais ça. Ok. Papa, je veux bien que tu m'aides. Ah, ben voilà, j'arrive. Tant pis pour la boîte. Il a pris un trou. Du coup, on a un trésor. Lui, c'est le plus rare de tous. J'ai hâte de le voir. Si j'ai... Au moins, je veux lui. Au moins, je veux lui. C'est déjà ça. C'est déjà ça, je veux lui, mais bah, lui... t'auras ce que t'auras. Ouais. Du coup, il a lui. Oh, rare. Lui. Lui. Oh, lui, je le veux. Lui aussi. Lui. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, non? Eh oui. Désolé si vous m'entendez manger, hein. Comme ce qu'il m'a dit, je pensais simple, c'est pas simple. L'ouverture facile, c'est pas facile. En tout cas, je vois de la gelée. Oh. Ah, ok. Ok, c'est du sable très dur là. Ah, il faudrait un plateau là. Oui, c'est pas grave, on a le poster. Ouais, mais... D'ailleurs, c'est même pas le thème, on a du Pokémon avec un chiffon. Mais en fait, c'est du trésor. Ah ouais, bah ouais, c'est pas clair. C'est de la faute des... Oh voilà. Ok, vous êtes prêts avec le marteau? Marteau. Attends. Moi, je suis un mineur. Je suis un mineur. Ça marche pas beaucoup. Je suis pas vraiment mineur. T'es sûr qu'il faut faire ça? Bah oui. Ouais. Mais il faut mettre de l'eau, Doudou. Ah! Et oh bah je suis bête moi dans ma tête. Bah, c'est-à-dire que si t'avais lu le mode d'emploi, c'était plus facile, non? Emma elle a dit que on préférait ça. Bon, au moins le sable il est magnifique. C'est vrai que sur le petit mode d'emploi, elle a raison, il n'y a pas d'eau. Alors que si on lit le grand, vous êtes prêts? On voit qu'on peut mettre de l'eau. Ah, ça fond instantanément quasiment. Mais je pense que tu peux essayer de couper. Ah ouais, regardez, ça sera plus facile. Alors, je comprends. Oh, c'est trop fastoche. En attendant, l'eau, elle a plein de petits crumons. Ça c'est mauvais. On peut voir. On va remettre de l'autre côté. Partout. On en veut partout. Au coin d'exception. Vraiment de l'autre côté pour couper, je pense. Ouais. Voilà. Je suis vraiment désolé pour le mot. Mais c'est comme ça l'enterrement. Chut. Ah ouais, c'est beaucoup plus facile. Oh, attends, je vais t'as le faire. T'as du bleu. J'ai du bleu. Allez. Emma, ouais, prends le mode d'emploi. Tu peux avoir T-Gold.
Ou soit si c'est une arme, Emma. Un rhinosaure. Ou punaise. Speaker. Oh punaise. Oh. Je pense que t'as speaker. Ah bon? Ok. Bah, je pense que t'as speaker plutôt, mais. Alors, ça marche? Ouais. Ouais. Plus ou moins. Bon, on est dans normalement. Oh, moi aussi je crois que c'est speaker. Oula, t'es voilà, oula, c'est speaker, t'es. C'est speaker. C'est pas du sable. Bonsoir. C'est pas du sable. Non merci. Oui, je m'en sors. Comme à la mer. Ouais. Oups. Oh oh. Tu peux voir. C'est speaker, c'est sûr. C'est speaker. Si jamais ça marche pas bien. Notre verre d'eau qui est toujours utile. Le verre d'eau est toujours là. On va venir aplanir. Effectivement, dans le mode d'emploi, c'était pas super explicite le fait qu'il faille mettre. Je sais, je veux le faire, papa. Moi aussi, je veux le faire. C'est pas le tien. Mais c'est toi qui l'as payé. Non, c'est maman. Eh, hey, vas-y, c'est maman. Oh, oh, oh. Non, mais. Ah, tu me regardes pas la couleur de l'eau. Ouais, elle est trop bizarre. Tu t'en sors. On dirait du lait. Mais alors, du lait mélange avec de l'eau. Hein. Avec du sable, surtout. Bon, on revient quand Ethan aura réussi à déterrer son personnage. Alors voilà, on a réussi à ouvrir. Bon, les pièces. Quand on s'y attaque, il y a des toutes petites pièces. Quand on s'attelle à déterrer le truc comme une brute, oh là là. On tombe tout de suite sur des pièces qui encore une petite fuient pièce. De la protection. Encore une jolie petite pièce. Enfin, une jolie. Ok, une voici. C'est pas magnifique non plus. Hein. Tu me souffrais dessus, papa. Bah ouais, mais j'ai du sable partout sur l'écran. Alors voilà. Voilà la bait. Elle est emballée individuellement. Alors, les amis, devinez quoi ? Du couteau. On a eu quoi ? Et c'est on a eu quoi ? Boum ! Alors, tu permets, je vais le plonger un peu dans l'eau pour le nettoyer. Alors, et qu'on se sablise les masques. Alors, Ethan, tu as eu Stone Wheel. Cool. Ok. Génial. Ouais. Attends, je suis un mineur encore. Il nous faut le corps, là, non ? Ah non, on a le corps. C'est des petits personnages, dis donc. Oui. Ouais. Moi, je voudrais avoir un petit personnage. Et voilà. C'est le type. Pendant qu'Emma va ouvrir son trésor X, Ethan va monter son personnage. Ok. Bien. Salut tout le monde. C'est à mon tour d'ouvrir le trésor X Dinogold. Ah, bah moi, Ethan, je suis allée un peu plus vite que toi. J'avais déjà un peu commencé. Je te crois. Voilà, comme ça. Hop. On voit la prison de notre dinosaure. Et hop, on le sauve. Voilà. Alors. On s'évade. Alors, on va lire. Cette fois. Pour l'enlever plus facilement, retirer ça et le placer sous l'eau. Ouais. Mais déjà, faut ouvrir ça. C'est toi qui l'avais ouvert à Ethan, non ? Non. Il s'est débrouillé tout seul. Voilà, on a réussi un peu plus vite qu'Ethan. Non, en fait, on a juste mis pause à la vidéo. Vous voyez comment ça bon, se présente ? C'était un peu plus rapide quand même. Voilà, elle récupère ce qu'il faut. On va maintenant le plonger dans l'eau. Normalement, il faut le passer sous un jet continu d'eau. Oh. Bah, nous, on va le passer là-dedans. Voilà. En le tournant régulièrement, quand même. Le bruit. Oh, Emma, ou soit tu le laisses dans l'eau pendant que tu casses. Moi, ouais, peut-être, ça peut marcher. Non, pas avec le côté. L'autre. Notre maison va devenir un aquarium. Si tu patientais un petit peu, il est marqué 30 secondes, tu peux attendre, non ? Tu vois bien, on dirait que c'est un peu effervescent en fait, où il y a des passages d'air. Peut-être attendre 10 minutes. Papa ? Je peux
On dirait notre chat qui miaule contre Max. Voilà. Ça fait à peu près 30 secondes. On peut commencer la noble tâche. Mais non. Hop là. Oula. Ah, parce qu'on dirait quand même. Bon, je viens de commencer. Ouais, si Emma, ouais. Si t'es un autre dinosaure, on pourrait changer, s'il te plaît. Oh. Et ça se trouve, j'aurais le même que le tien. Ouais, mais si t'as pas le même. Oula. Est-ce qu'on pourra? Ouais, on verra. Elle est bien concentrée. On a un peu de rose là. Ah oui. Oula. What the... Oh là là, c'est long. T'as vu le rose, il est bizarre. Ouais. Oh. Hop. Ne regarde pas. Je souhaite ne pas me spoiler, Ethan. Ah bah chute. Ah, ça avance un peu plus vite déjà là. Ok, on a compris, Ethan. Moi je suis passé quoi, je te jure. C'est vraiment dégueu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est une tête ou alors c'est juste. Merci Ethan de m'avoir spoilé, c'est un trésor. Bah, il t'a pas spoilé en fait, il t'a juste dit ce que c'était, tu pensais que c'était une tête. Il s'appelle. Alors, les amis, c'est un trésor. Oula. Je vais mettre ça de côté pour voir si on a rien de temps plus tard. Ok, pour l'instant. Ça valait la peine que tu prennes de l'avance sur Ethan sur l'ouverture. Hein. Oh. Ah, alors une petite popate. Ah, une patte jaune. Hop là. Ouh, je sais ce que t'as. Voilà, on vient de décrocher un bloc. Là, les amis, on distingue la tête et le corps. On va quand même sortir le reste parce que je sais pas comment il va faire pour marcher sans pattes. Regardons si on n'a rien dedans quand même. Hop, rien du tout. Alors ? Rien du tout. Voilà. On finit de sortir les patounes. C'est quand même pas super facile à monter. Parce que Ethan ne met pas beaucoup dans le montage de son Trésor X. Ah bon ? Bah oui. T'as pas l'impression ? Non, j'ai pas l'impression. Non. Et après, c'est génial de jouer avec. Oh là là, c'est relaxant. Non. Si, c'est relaxant. Non, c'est dégoûtant. Non, c'est relaxant. Emma ? It's relaxing. Est-ce que tu veux je te dis comment il s'appelle ton trésor en or ? Il s'appelle Mutant-Brun. Mutant-Brun ? Ouais, Puis t'as eu Blingadon. Blingadon. Ça va, je suis contente. Il est comme ça. Bon, on verra quand on aura fini de tous les monter. Ouais. Tu l'as sorti de sa patte ? À tout de suite. Ouais. Voilà, les dinosaures sont montés. On peut donc voir une belle base de stégosaures. Avec des belles plaques. Remarque, on peut peut-être considérer que c'est une queue en marteau pointu, il manque juste la petite masse au bout. On peut donc le regarder là. Il est beau, hein. Oui. Plein de sable, mais beau. Donc, moi j'ai les doigts pleins de graisse de vélo, mais on fait ce qu'on peut. Et moi, je me suis Le second, il ressemble plus à un stégodeur, je crois. Avec
La petite masse. Et en plus, petite plaque beaucoup plus petite. C'est trop mignon parce que c'est un petit nœud. Non, c'est un petit nœud, c'est mignon. Ah oui, effectivement, c'est un petit nœud, c'est pour ça que c'est un peu étrange. On peut voir qu'il a un air quand même un petit peu agressif. Mais c'est pas grave, il est trop mignon. Mais oui. C'est le petit dinosaure à sa maman. Tout est maman. Tout est amovible. La tête. Mais je l'ai décapité. Elle, c'est pas amovible. Les pattes ça s'appelle sont amovibles. C'est pas grave. Non, voilà. C'est... Allez. Mon pauvre dinosaure. Et le petit trésor. C'est un cerveau. Avec c'est... celui d'Ethan qui est juste... On dirait juste... plutôt une ammonite. Hein. Je sais pas ce que c'est une ammonite. Avec un écu. Je sais pas. On dirait un écu, celui d'Ethan. Là, il y a une tête de mort. Et toi, hop. Ça, c'est celui d'Ethan. Et on dirait c'est plutôt ça. Un écu. Bon, ça n'a pas marché beaucoup. J'avais ouvert les doigts. Hop. Voilà. Allez. Salut. Ciao.